Yo YouTube et bienvenue sur Immersive TV, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play de Fallout 4. Il fait actuellement très beau, le temps est clair, il n'y a pas beaucoup de vent, tous les voyants sont au vert pour un épisode parfait. J'espère que tout le monde va bien. On retrouve un visage que l'on connaît. Le Dr. Weathers peut soigner tous les bobos maladies. Tous les bobos, oui, les maladies. C'est le Dr. Weathers, il fait la pluie et le beau temps, voilà. Donc nous, on se met en route directement s'entraîner plein sud. Notre but, c'est de récupérer l'artefact, le fusil de chasse. Juste, je vais faire un petit truc. Je suis allé me décharger à la ville avant d'attaquer l'épisode. Au moins, c'était déjà ça de fait. Il est où? Eh ben c'est où? Il est là. Je voulais juste mettre ça en raccourci. Je vais le mettre à la place de quoi? À la place du cocktail Molotov. Voilà. C'est combien? Attendez, F. C'est 0. Ok. Nickel. Non? Ah si, voilà. Oh oui. Oh là 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 là. Alors, je viens de voir qu'il y a un signal de détresse qui a été trouvé. Tu m'étonnes, à côté des antennes radio comme ça. C'est un signal de un signal de détresse, hein. Oh, intéressant. Ça me plaît. Est-ce que je peux tourner sur mon personnage? Ouais, pas mal. Il me faudrait une combinaison là de samouraï. Pop, 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 pop. Je fais le dernier samouraï dans Fallout, quoi. 32%. Faut que je traverse. J'ai pas envie de m'oublier. Blablabla. Il y a plein de bateaux là-bas. Là-bas, il y a une moumouche. On va passer par là. Là, je vais être coincé. Là aussi. Là, je dois pouvoir passer par là. Oh putain, des super mutants. Je ne vois absolument rien. Ok, il est là-haut. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Est-ce qu'il a un truc dangereux? Non, j'ai pas l'impression. De toute façon, ils m'ont pas vu, je pense. Ils m'ont entendu, mais ils m'ont pas vu. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, ils sont beaucoup. Le con. Ah, le soleil! Aïe, 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 aïe. Mais lol, oh, regardez la jambe, elle s'est arrachée et tout. Oh, il y a le chien, il te fait... Ouh, ils ont tué mon maître, ouh! Oh, ce que j'ai mangé pour un début d'épisode, j'ai pris là, hein. Bon. Est-ce que j'avais... Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je vais faire le tour, mais plus large du coup, hein. Plus large, parce que là, ils sont clairement en position de force. Qui plus est... Ah bah, si j'étais venu jusqu'ici avant, j'aurais pu passer par là direct. Qui plus est donc... oh putain, attendez, il y a un truc par là. Ah, c'est une mouche. Qui plus est... Merde, ça nous... Oh mais quel con. Ça nous éloigne de notre objectif du jour. C'est bien costaud cette merde là. C'est pas vrai. Eh bah dis donc, où est-ce qu'elle me met? Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Putain. Ils sont chauds les strumons ici là-haut. Merde, j'ai bu de l'eau sale, quel connard. Je dois penser à faire cuire à bouffer aussi dès que je croise un... Dès que je croise un truc pour faire cuire. Steampack 19, j'ai plus des masses de steampack, il faut que je fasse gaffe.
Il n'y a rien qui redonne de la vie sans que ça redonne aussi un petit buff ou un truc que du coup j'ai supposé plutôt garder quoi. Non hein. Là, je me fais un peu d'eau sale, tant pis, c'est pas grave. Petite save. Je vais éteindre ce signal radio parce qu'il va me... Il va m'éloigner de mon but. Mon but qui est par là. Hein. Concrètement. Allez. Qu'est-ce que c'est ça à droite? J'aimerais bien juste... Oh, enfin, il y a une tourelle là. Je pense pas qu'on soit les bienvenus. C'est une tourelle militaire. Ah non, tourelle à mitrailleuse MK1. J'aimerais bien juste découvrir le lieu si possible. Voilà, terrain d'entraînement de la garde nationale. Oh, à mon avis, il va y avoir du stuff ici. Laisse mon chien tranquille. Putain, c'est pas croyable cette histoire. Hein. Ah oui, je sais, Canigou, que c'est chiant. Je sais. Je te comprends. Je te comprends. Aisément. Il marchait seul avec son chien. Sur les routes désolées du Commonwealth. Oh, 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 on se prend de la rade là, il faut faire attention, j'aime pas trop moi les radiations. En direction du sud, on voit un bateau. Pff, attention, il y a les mouches dangereuses. Ah non, c'est un iBot. Ça c'est gentil je crois. Mais en même temps, ça va révéler ma position s'il faut. Salut! Alors, j'avance, je fouille pas volontairement. Hein. C'est pour me forcer. Oh, les cabines téléphoniques stylées. C'est pour me forcer, si vous voulez, à faire du à avancer si, en direction du sud pour arriver à un moment ou à un autre. Au point que je veux visiter depuis 10 épisodes, quoi, pratiquement. Du coup, j'avance. Allez, on se fait attaquer. Le pistolet qui dépensait les balles plus vite que tout quoi. Ok les gars. À qui Chadji c'est tout? À qui tu croyais parler? Ils sont où tes potes? Je sais que tu as des potes dans le coin. Ça sert à rien de se cacher, il est là-haut. Comment on fait pour aller là-haut? T'as de la chance que j'ai autre chose à foutre. Viens ici, Wolfie. Hé. Hey. Viens voir. Merde. Bon, viens le chien. Viens. Par ici. Excuse-moi, je sais que je t'ai foutu le feu. C'était pas volontaire. Je voudrais juste échanger un truc avec toi. Nice. Parfait. Ouais, bah je reviendrai, mais dans quelques jours. Alors, il y a un bateau là. Aucun signe. Le Constitution. Ok. C'est un bateau avec des réacteurs, les gars. Lol, oh putain. Recherche en cours. Recherche en cours. Accès aux archives d'avant-guerre. Archives retrouvées. 108e régiment d'infanterie, 2e bataillon. C'est ça, c'est moi-même. C'est la providence même qui nous envoie un membre de l'armée du Congrès en ces temps troublés. Eh, j'aurais pas dit mieux. Moi, j'étais dans l'armée, la vraie. C'est quoi l'armée du Congrès? Ordre du commandement. Proclamation.
Section 3. À partir de ce jour, tous les membres de l'armée des États-Unis deviennent membres de l'armée du Congrès. D'accord. Le capitaine vous demande sur le pont. Au pas de course et que ça saute. Le dernier voyage de l'USS Constitution. Ça serait drôle qu'on puisse le faire bouger, ce truc-là, tiens donc. Ça serait drôle, mais à le voir, ça serait pas impossible, hein. Bon. Est-ce que je suis loin de ma destination ? Hey, j'ai jamais été aussi proche. Donc, je vais par là, il y a la flotte, normalement, voilà. Moi, c'est en face que je vais aller, donc du coup, si je longe ici... Après, sur ma gauche, il y a un pont. Voilà, ici, là-bas. Putain, il y a un putain de brouillard depuis deux épisodes, là. Oh, regardez ça, c'est excellent. Par contre, petit problème de texture, non? Ouais, voilà, merci. Ok. Oh putain, c'est quoi ça? Fuck, des super mutants. Chut. Nous, on veut aller ici. Ok. Je suis en mode fufu moi-même IRL, hein, je vous le dis. 90 mètres. Chut. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Oui, il y a un mec pendu là. On va pas passer par là. Chut, ça lag. Mauvais signe. Trois mètres dans cette direction. Ok. Ah, oh, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Un putain de super mutant. Le chien, je sens que tu t'emportes, le chien. Alors. Faut que je mange un truc. Je vais manger du steak de rat top. Comme ça me fait des paix en plus. Et lui, je vais l'éclater. Le chien m'a vu, je crois. Lui aussi m'a vu. Nice. Allez, mets-lui tout dans la gueule, vas-y. Oh, il est pas mort. Ah ouais, le problème c'est que ça, j'allais vous dire, on va attirer toute l'équipe de super mutants, quoi. Oh con. Il y en a un qui vient pour se repéter là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ok. Ok. Alors, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais miner la zone. Et je vais essayer les brains. Parce que lui, clairement, déjà, il faut que je l'abatte. Ah, si je l'abats direct avec sa petite bombe là qui explose, je peux peut-être faire un massacre en fait. Peut-être faire un massacre. Putain, on est loin. Nickel. Pas qu'il nous voit, hein. Ok, c'est bon. Bon, visiblement la ville est aux mains des super mutants. Donc bon, pourquoi pas. J'aimerais bien arriver à me soigner. Ça aurait été cool qu'il y ait un lit. Peut-être dans un de ces bateaux, j'aimerais pouvoir trouver ça.
Quoi? Oh putain, il a attiré tout le monde. Ah, le vieux pillard de merde. Chut. J'entends quelque chose. Y'a plus rien. Oh, je suis coincé. Non, c'est bon. Ok, donc eux, je vais les esquiver. Je vais passer par là. C'est pas ma guerre. Ah, fais chier, putain. On va sortir le pacificateur. Attendez, il faut que je me soigne aussi. Je vais y aller à l'eau sale, hein, tant pis. Je sais que c'est con, mais bon, c'est pas grave. Ah viens Wolfie, on s'arrache. Wolfie. C'est bon. Approchez et identifiez-vous. Nickel. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Nickel. Par contre, je suis pas du tout passé par là tout à l'heure, je crois. Si, c'est bon, je suis passé par là. Je me souviens de cet endroit. Je m'en souviens. Aïe aïe. Dou. C'était quoi ça? C'était un piège? C'était des gars qui m'ont lancé double greu dessus, super bien calé. On sait pas quoi. Save. C'est là où il va falloir la jouer finaux. C'est quoi ça? Quoi? Qui est là? Chut. Je t'entends. Il est où celui avec la bombe dans sa main? Lui, il a un lance-roquette, je crois. Oh putain, ils m'ont vu, non? Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Super mutant, molosse mutant. Ah, je le vois pas, l'autre. D'accord, bon, ok. Boum. Ça fait déjà ça de moins. Tête. Moins deux. Voilà, tu m'as l'air d'être un bon benet, je le sentais. Boum. Et je te laisserai pas encaler d'un autre. Merde, y'a l'autre qui arrive. Merde. Fuck. J'ai plus de PA. Oh, c'est la mort. Et c'est la mort qui t'a entatiné, Mutsu. Non. Lui sort des... Qu'est-ce que c'est? Fuck! Je suis coincé! Il est juste derrière moi. Va te faire enculer. Oh, c'est la mort. Putain. Non, je suis coincé. Non! Non! Oh putain, c'est dur. Donc, bon. Il a mis du temps à venir, hein, mais alors lui, à chaque fois qu'il arrive, il est efficace, quoi. Ok. Ok, allez, on se retrouve. J'avais oublié de lancer l'enregistrement. En plus, je suis mort. Donc, j'ai sauvegardé. Je tue le premier, là. Avec son chien, il reste donc toujours tous les autres. Est-ce que je peux pas passer derrière? Non, je peux pas faire ça. Tu peux te cacher, ta viande. Ah, je le rate, putain. Je
Il est mort ? Ouais, il est mort. Ouais, moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Ouais. Tu vas avoir un peu le cadeau. Wow, putain. Ouf. Les mecs sont armés jusqu'aux dents quand même. Hein. Je me demande comment un super mutant peut arriver à viser. Oh, d'ailleurs, en fait. On le voit, il vise plutôt mal avec. Ok, faut que je fasse gaffe, il en reste un avec un lance-roquette encore, je crois. J'ai l'impression d'entendre des pas tout le temps en ce moment. Il est apparemment. Ah bah, il est là. C'est lui qui a le lance-roquette ? Tiens dans l'épaule. Raté. Raté. Putain. Je t'avais dit que c'était deux dans ça. Bon. Ah. Décidément, ces putains de mutants à la con, ils m'auront bien fait chier. Fanel, oh le! Non, ça passe pas à travers ce truc sur lequel je tire, je pense. Il y a des morceaux de mutants partout, quoi. C'est trop bon. Allez, mais il m'a gonflé, lui, là. Voilà. Fusil de chasse, on s'en fout. La planche, on s'en fout. Petite save. Ok, alors... Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bouts de viande. D'accord. Donc, je vais aller dans les étages pour fouiller. Je dois récupérer. Il y a un lance-roquette à pirer. Voilà, merci. Une plaquette crânienne. Je prends, je verrai bien. Ouais, il a récupéré le lance-roquette sur son pote. Fusil de combat. Ça me dit rien, ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est peut-être le premier que je trouve. Juste un coup d'œil vite fait. Fusil de combat. Il avait une amélioration tactique, je crois, non? Compact. Ça tire des balles de calibre 12. Ah mais si, c'est la même chose que le ponceur de tête. Ah non. Ah non, pas du tout, ça tire pas les mêmes types de balles. Et non, calibre 12, c'est fusil à pompe, ça. Je suis bête. Ok. Par où je descends, là? Ah ouais, par là. Donc, moi, c'est ici que je veux venir. Dans cette baraque, apparemment, c'est le rencard pour le fusil, je crois. Puisque de mémoire, c'était une lettre, je crois, ou quelque chose comme ça. Et la nana disait, ou c'était un mec, je sais plus. Rendez-vous à tel endroit, machin, là où j'ai planqué le fusil. Ah ouais, d'accord. Il y a des super mutants partout. Quoi ? Qui est là ? Y a quelqu'un ? Ok. Ah, ils sont là, c'est au-dessus. Quoi, ce bruit? Bon, ben ça va bastonner encore. Hein. Je
putain. Burn, motherfucker! Je t'entends. Là. Ça va être un bon combat. Mourir! Là-bas au fond, je crois. Oh, y'en a un. Pas de bagarre aujourd'hui. Et c'est brut. Putain, il est pas mort. Ah si, il est mort. Il y en a encore un là-bas. Ah oui, tu brûles. Comme tous tes potes, tu brûles. C'est quoi ce vieux bruit? Ah, c'est le singe. Tu m'as saoulé, le singe. Ah, il y a du buff out. Non, c'est du jet. Ça, c'est du buff out. Ah, un atelier de chimie. Faudra que je m'en serve ça, à un moment donné pour faire des... J'ai trouvé le... Petit bébé à peur. Le pistolet là qui lance des fléchettes chimiques. Merde, ce pied gauche, franchement... J'ai... Ouf, forme de chiche. Nous sommes l'avenir. Ah, il m'a vu. Il est là. Tu brûles. C'est tout. Tu brûles. Et moi, je te loot pendant que tu brûles. L'ascenseur fonctionne? Vraiment? Vas-y, je le prends. Montez. Oh putain, il y a plein de mutants ici. Ding. Troisième. Oh putain, c'est pas là. Wow, wow. Ah, ça c'est mauvais plan, ça. Mauvais plan, hein. Recharger dans la... Ah bah non, ça va, le chien. Le chien fait le taf. Le chien fait le taf. Ah, oh, ça brûle, hein. Ah ouais, c'est chaud. Je sais que c'est chaud. Oui, c'est chaud. Pas du tout ce que j'étais venu chercher. Oh, un ventilateur, ça il faut prendre, les amis. Moi au départ je suis juste venu chercher un artefact ici, les gars, hein. Après c'est vous qui avez décidé de vous foutre au milieu et ben voilà, arrive ce qu'il arrive, hein. Ça mitraille là. Il est où? Tu cognes comme un rat de cafard, il m'a dit. Mais lol. On fait tout brûler, on a dit aujourd'hui. Il est où? Je le vois pas. Il est là. T'as failli me surprendre. Ou pas à Wolfie. Brûle. Brûlez tous. En vrai, normalement, je fous le feu à la maison, quoi, mais genre bien, bien. Carnage. Ils sont où les derniers là? Regardez comme c'est trop bon, le corps il est complètement cramé, quoi. Quartier des affaires. Non, là je ressors. Ils sont plus hauts les derniers, visiblement.
Ils sont plus haut. Je pourrais pas passer par là. Et non, et non, et non. Il va falloir que je reprenne l'ascenseur. Non, c'est bon, je peux passer par là. Il est où ce con? Ça parle beaucoup un super mutant, mais ça agit peu, je trouve. Alors, vous voulez que je vous raconte un truc drôle? C'est que déjà, je suis coincé, j'ai l'impression. Non, mais sans déconner, vraiment. Merci. C'est qu'à mon avis, on n'est pas dans la bonne maison. Je pense. Je pense qu'on n'est pas dans la bonne maison pour la quête que je suis venu faire. Bon, c'est pas grave, hein. C'est toujours bien de brûler un peu des mutants. Oula. Oh, salut toi. Ok. Vas-y, gaspille tes munitions. Oh, tu brûles. Oh, tu brûles. Oh là là, j'ai mal. Oh, tu fais mal. Oh, tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Aïe 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 aïe, je fais mal. J'ai l'impression qu'on gagne plus d'XP en les faisant brûler, c'est marrant ça. Ok, oh. Parfait. Le magazine Vie Amour, santé des compagnons, plus 10. Oh, c'est génial ça, bonus permanent. Parfait. Tactique incendiaire, ça a l'air intéressant, je le prends. Par contre, tu peux pas passer là, non? Oh si. Drapeau américain plié, un crayon. Capsule, des cartouches, frein de bouche, ouais. Flambeur gauche en métal. Rien de super foufou quand même là, hein. Ça m'amène dehors. Pourtant, je pense que c'est bien ici. Récupérer l'artefact fusil de chasse Faneuil. Oh. Ok, c'est parti pour l'investigation. Je vais aller jeter un coup d'œil déjà sur le toit. S'il faut, c'est sur le toit. Je me souviens plus ce que ça disait le message. Je dois l'avoir en plus sur moi s'il faut. Mais vu que j'ai des milliards de trucs sur moi. Non, clairement, la quête me dit de rentrer. Donc ça doit être à l'intérieur. Le pistolet, j'étais pas forcément obligé de le prendre, je pense. Et ici, je pourrais sauter. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Ici, je pourrais sauter. Ok. Allez, donc je re-rentre. A priori, ça doit être quelque part dans la maison. J'ai un point qui m'indique 23 mètres. Attendez, même pas, je crois que j'ai carrément un truc dans la carte locale. Ouais. Donc c'est dans l'angle de la maison par ici. Non, pas du tout. Oh. Vitesse, puissance, arme de fortune, pistolet. Pas intéressant. Ok. Attention, ça c'est des planches qui cassent. Du coup, on peut tomber. Et on veut pas tomber. Ok, c'est par là. C'est par là, c'est même...
Normalement, c'est même par là, là, ici. Oh putain, ouais, c'est juste là, apparemment. Je me suis dit que ça aurait pu être derrière le tableau, mais non. Ok. Donc c'est pas là. Caché peut-être derrière ici? Non. A priori c'est plus ici. Ah ouais, je suis juste à côté. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Ici il y a clairement un bruit. Je ne sais pas ce que ce bruit signifie. Bon. Ici, visiblement, il n'y a rien. Hein. Alors, est-ce que c'est là, ici, récupérer l'artefact fusil de chasse. Donné. Divers affichés sur la carte. Hop, 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 hop. Je sens qu'il va falloir que je cherche pendant longtemps. Parce que ça doit être dans mon... ici. C'était sur un bout de papier. C'était pas ça. Alors, procédons par élimination. Est-ce que je descends là? Ah, je le tente, allez. Il m'a fait peur, c'est Canigou en fait. Parce que ça peut être en bas aussi. Ça peut être à cet étage là. Ça peut être dans cette pièce là même. Dans ce coffre là même. Ok. Génial. Ok, c'est là-dedans. Du pognon, trop bon, on se croirait dans Payday. Pognon, pognon. Allez, c'est parti. Facile. C'est bon. Alors, argent d'avant-guerre, cartouche. Cartouche, baïonnette, poids, fusil de précision. Eh. 56 de dégâts quand même, hein. Frein de bouche, puissance 10 mm. 56 de dégâts, c'est pas dégueu, je crois, les amis. Mes armes. Il est où mon fusil sniper? Renfort, fusil de pression. Ah, bah non, 64. C'est de la merde, ce truc là. Ça tire des balles de 308. Lui aussi, c'est de la merde, quoi. Oh, je suis déçu. Oh là. Bon. Il y a une inscription spéciale peut-être dessus. Inventaire. Arme. Il est où? Il est où? Frein de bouche, compensation du recul, baïonnette. Il est là. Il y a une baïonnette, quoi. Bon. Ok. Why not?
Why not, why not? Alors. Juste, je voulais voir un petit truc aussi. Fusil de précision. Examiner. Ah, ça a marché. J'ai mis un petit modif de skin. Je voulais voir si ça avait marché. Marqué Inglorious Bastards dessus. Bon, 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 les amis. Bah écoutez. Un peu de déception quand même dans le cadeau là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Au moins on l'a récupéré, ça c'est fait. Ça va arrêter de me stresser, cette quête là qui a été tout le temps affichée. J'en ai pu dégommer des super mutants, on leur a montré qui c'était le patron. Donc à partir de là, c'est quand même bien. On n'aura pas perdu totalement notre temps. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bah écoutez les amis, je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de la zone. Ici j'ai fouillé. Ah, il y a ici. Non, on peut pas descendre plus bas. Pardon Wolfie. Ici donc j'ai fouillé. Ah bah ici ça me fait sortir. Allez, parfait, comme ça au moins je sors. Je sors par où? Par derrière? Attendez, c'est pas dangereux ça? Un peu quand même, hein? Ah non, ça me ramène devant. Bon, ok. Bizarre, j'avais pas l'impression d'être arrivé par là, mais bon, il se fait tard, je commence à fatiguer aussi. Point américain, blablabla. Bon, on s'en fout de tout ça, c'est quoi? C'est qui ces gens? C'est des pillards. Amortissement ombrage, ça je prends par contre. Faire un. Oh putain. Un stuff fufu. M'a pas vu lui. M'a pas vu mais ils sont sur ma route. Jambes. Il y a eu poche cuir armé, poche cuir bouilli. Il y a eu et il y a, c'est le bordel. C'est le bordel. Les mecs s'en mettent plein la gueule sans moi quoi. Ça, j'apprécie pas trop. Ok, il y a encore plein de super mutants et tout. Allez, viens Wolfie, on se casse. On se casse, on va aller se planquer loin de cette ville maudite. Je me suis coincé, non? Ah putain, sans déconner. Mais lol. Ça aurait été l'épisode où je me coince, quoi. Je suis sûr qu'il y a un seul connard qui s'est coincé ici, c'est moi, quoi. Allez, on va laisser tomber, hein. Je vais sauvegarder, je vais charger, pardon. Ça me ramène où, cette histoire? Ça me ramène ici, ok. Allez. Du coup, je disais, on s'arrache. On va quitter cette ville maudite avant de terminer la vidéo. Quoique, non. Ça, à mon avis, c'est grand encore. Du coup, on va se planquer ici. Hop, voilà. On loot. On loot joyeusement. Oh là, mais c'est. Centre commercial. Mon dieu, mais c'est. Ouais, vous voyez, c'est ça que j'adore à ce jeu, c'est que. Il y a de. Partout. Ça fourmille. Et là, il y a un pillard fouineur qui m'a pas l'air de nous avoir vu. Donc, mes amis, on va se quitter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de liker et puis, si vous ne l'êtes pas, de vous abonner pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye YouTube.